Dans le cadre de la préparation de la 10e édition de la conférence des instances africaines de régulation de la communication, la présidence RIARC et son secrétariat exécutif, Kelarak Béninoise, ont eu hier une séance de travail. Précision dans ce journal. Alors que les autorités amplifient les actions de sensibilisation et de lutte contre les châtiments corporels des enfants, 57% des parents béninois sont favorables à l'usage de la force physique pour discipliner les enfants. C'est ce qui ressort d'une récente enquête d'Afrobaromètre sur la question quels peuvent être alors les impacts de l'usage de la force physique sur les enfants. Kenneth Eganwi et Pierre Akapo se sont intéressés au sujet. Le mystère reste entier sur la mort de 21 jeunes fin juin dans un bar informel d'Est London en Afrique du Sud après la publication des premières analyses toxicologiques qui n'apportent aucune conclusion, ont annoncé mardi 19 juillet les autorités sud-africaines. Et c'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Bienvenue à ce journal. Mettre en œuvre des registres communaux des personnes physiques sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2022. La séance hebdomadaire s'est réunie sous la présidence de Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement, Léandre Oumbedji. Suivons-le. Modalité de mise en œuvre de l'auto-assurance de l'État pour la couverture des biens culturels publics. Le présent décret vise une protection efficace des biens culturels en vue de l'émergence d'une économie touristique, culturelle et artistique. Elle s'étend aux activités de promotion et de circulation des œuvres. Le texte qu'il organise intervient en application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Ainsi, l'auto-assurance porte sur la perte, le vol et les dommages que pourraient subir ces biens publics, les détériorations diverses dont ils peuvent être l'objet à la suite d'un vol, d'un incendie, d'une explosion, d'une grève, d'un acte de vandalisme, des dégâts causés par les eaux, etc. En point 2, mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques. La loi assigne aux communes la tenue de deux registres des personnes physiques établis sur leur territoire, l'un pour les nationaux et l'autre pour les ressortissants étrangers. La mise en œuvre de ces registres répond au besoin de recueillir les données des résidents communaux, lesquelles servent notamment à consolider ou mettre à jour le registre national des personnes physiques, attribuer le numéro personnel d'identification, reconstituer l'état civil des personnes. Tous les citoyens inscrits sur le registre communal sont pris en compte lors du recensement de la population. Au terme du présent décret, cette inscription est effectuée soit à la naissance, soit lors de l'installation sur le territoire national par une déclaration à la mairie du lieu où la personne a choisi de fixer sa résidence principale, et cette déclaration concerne l'ensemble des personnes composant le foyer. De même, tout changement de résidence principale doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la mairie de la commune du nouveau domicile. Elle est obligatoire, même s'il n'y a pas de changement de commune, et devra intervenir dans les 8 jours ouvrables suivant le déménagement. Et je l'annonçais en titre, 57% des parents béninois sont favorables à l'usage de la force physique pour discipliner les enfants. C'est ce qui ressort d'une récente enquête d'Afrobaromètre sur la question. Alors que les autorités amplifient les actions de sensibilisation et de lutte contre le châtiment corporel des enfants, certains parents pensent que c'est la meilleure alternative pour éduquer son enfant. Quels peuvent être alors les impacts de l'usage de la force physique sur les enfants? Les explications d'un spécialiste dans cet élément de Kenneth Eganwi et Pierre Akapo. La législation béninoise l'interdit, mais certains Béninois y croient toujours. L'usage de la violence ou de la force physique pour discipliner les enfants, que faut-il en comprendre? La violence peut être physique comme morale. Quand on parle de violence sur les enfants, de façon générale, c'est toute pression ou toute force, que ce soit physique
ou psychologique ou morale sur l'enfant qui atteigne son intégrité. Tout ce qu'on peut, on peut faire sur l'enfant qui cause une certaine peine à l'enfant est une violence. Tout ce qu'on peut faire comme châtiment corporel, comme des privations de nourriture, comme des humiliations, comme des claques, hein, des paires de gifles, de tirer l'oreille, les oreilles par exemple, pincer l'enfant, donner des coups de bâton dans la main. Donc toutes ces formes, ce sont des, toutes ces manières de faire sont des violences exercées sur l'enfant. Cependant, malgré que le grand nombre y croit, soit 57% des parents enquêtés par Afrobaromètre, l'usage de la force physique pour discipliner n'impacte pas positivement l'enfant. Celui qui a été éduqué dans la violence va développer des mécanismes de défense qui ne vont pas lui permettre d'être heureux. Des mécanismes de défense, par exemple, qui va lui permettre d'être sur le qui-vive par rapport à l'autorité. De ne pas, d'avoir peur de l'autorité, par exemple. De ne pas pouvoir parler en public. Hein? De ne pas savoir dire non à quelqu'un. Voilà les conséquences, par exemple. Mais quand l'enfant grandit, l'enfant traîne des séquelles. Oui, les gens vont me dire, moi j'ai été frappé tout le temps, je n'ai pas de séquelles. Vous avez des séquelles. Les séquelles, c'est des petits changements d'humeur que vous avez. Les séquelles, c'est quand vous vous tuez au travail, par exemple. Même si elle permet d'avoir un résultat immédiat, l'emploi de la force physique ne présage pas d'une bonne éducation ou d'un enfant discipliné. Le psychologue recommande alors de prioriser les méthodes de la communication non violente. Séance de travail ce mercredi 20 juillet 2022 entre la présidence du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC et son secrétariat exécutif Kelaraq béninoise. Cette visite d'échange à Cotonou s'inscrit dans le cadre de la préparation de la 10e édition de la conférence des instances africaines de régulation de la communication. Plus de détails sur la visite dans cet élément de Romaric Dossa et Mathieu Soussou. Bientôt la 10e édition de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique. Dans sa mission d'organe de liaison entre toutes les instances membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC, le secrétariat exécutif du réseau Kelaraq béninoise accueille ce mercredi 20 juillet 2022 à Cotonou le président en exercice du RIARC, les responsables de la RAC béninoise et ceux du Conseil national de la communication CNC du Cameroun vont au cours de cette séance planifier l'organisation de cette édition, laquelle édition marque également la fin du mandat de l'actuel président du RIARC. Vous êtes là cette fois-ci pour que nous puissions préparer ensemble la CICAF qui est le grand rassemblement de tous les régulateurs africains et qui aura lieu en septembre prochain et au Maroc. En tant que président, vous voulez passer la main, puisque, pas parce que vous déméritez, mais parce que votre mandat prend fin. Et donc, c'est avec regret que nous vous voyons partir. Et donc, comme je le disais, vous êtes là pour que nous puissions préparer donc, cette grande messe qui aura lieu au Maroc, où le Maroc prendra la relève pour 2 ans. Bien sûr, le secrétariat exécutif étant permanent, le président de la RAC reste toujours le secrétaire exécutif donc, du réseau. Visite d'échange pour préparer la 10e édition du CIRCAF, mais également une occasion pour faire un bilan des avancées observées avec le Conseil national de la communication CNC Cameroun qui vient de boucler ces 2 années à la tête du RIARC. Pour le moment, nous avons une trentaine de pays, mais on aurait à voir toutes les 54 pays africains dans ce réseau parce que c'est une association panafricaine. Et je crois, je laisse à celui qui viendra après moi, donc le président de la RAC du Maroc, c'est la mobilisation de toutes les instances continentales
pour cette tâche que nous avons, parce que la régulation, c'est quelque chose que nous devons œuvrer pour asseoir sur notre continent. Parce que sans régulation, il n'y a pas la démocratie. Et puis, je crois que les Africains sont sur la bonne voie et que nous atteindrons notre objectif. J'ai saisi cette occasion pour remercier les autorités béninoises parce que, comme le secrétaire général disait, ça c'est un bâtiment offert par les autorités du Bénin. Et je saisis cette occasion pour remercier le président Patrice Talon. Et c'est une occasion de féliciter encore votre pays, le Bénin, un pays qui montre l'exemple du panafricanisme. Cette visite de prise de contact est donc la manifestation de l'harmonie et de la belle collaboration et la coopération qui lie les deux instances de régulation de la communication. C'est surtout le gage de l'excellence, de l'amitié et de la fructueuse coopération entre le Bénin et le Cameroun. On parle à présent de la betterave dans ce journal qui est un excellent légume riche en minéraux et en vitamines et de culture facile. Elle est riche en vitamine B9, ses pigments rouges lui confèrent un pouvoir antioxydant. Elle est souvent utilisée dans les plats de salade et sa saveur sucrée est très appréciée des petits et des grands. Suivons les valeurs nutritives et les vertus de la betterave sur la santé dans ce reportage. La betterave est une plante potagère des régions tempérées et tropicales. On la retrouve en couleur jaune, blanche et la plus consommée qui est la rouge. La betterave est un légume au goût sucré. Elle se consomme crue ou cuite de la racine jusqu'aux feuilles. Elle contient plusieurs éléments nutritifs pour la santé. Alors, au niveau des propriétés nutritives, nous avons la richesse en vitamine A. Donc, qui parle de vitamine A parle de la santé des yeux. La vitamine K qui entre aussi dans la composition et la résistance des os. La vitamine C qui rentre dans la stimulation et l'entretien de l'immunité donc face aux infections et autres. Nous avons aussi la vitamine B6. Elle favorise l'élimination des substances toxiques hors de l'organisme. Nous avons aussi le potassium et le magnésium qui sont les amis du cœur et des vaisseaux sanguins. Et donc, la betterave fait dilater les vaisseaux sanguins et permet à ce que la tension soit normalisée et qu'on ait moins de dégâts liés à cette vilaine maladie qu'on appelle l'hypertension artérielle. Les feuilles de betterave sont les plus riches en propriétés nutritionnelles et ses racines sont aussi riches en fructose et en fructinutriments. Il est bien de consommer la betterave, mais pas de façon excessive, car elle peut également conduire à des problèmes de santé. Effet indésirable, puisqu'il y a des fibres dans la betterave, il ne faut pas en abuser, puisque les fibres facilitent ou bien stimulent le transit intestinal. Et donc, ça peut vous faire amener à aller à beaucoup ou bien plusieurs fois à la selle. Il faut savoir en consommer. Aussi, si vous êtes déjà prédisposé au diabète de type 2, mais vous avez des parents diabétiques et autres, il faut aussi réduire la consommation de la boisson de betterave. Il faut préférer la crudité et donc la chair de betterave pour éviter les éventuels risques de diabète de type 2. Le mélange de la betterave au laitue, à la carotte, au concombre et autres légumes pour en faire une salade est la meilleure manière d'en tirer profit. Après la betterave, on parle à présent de la cannelle qui est une épice aux douces saveurs aromatisées qui sait marier ses bienfaits aux délices de nos palais. Ses richesses en antioxydants bénéfiques pour la santé ne manquent pas. Découvrons ses vertus dans ce reportage. La cannelle est souvent utilisée sous forme de poudre. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, antiparasitaires et antivirus. Sa consommation peut prévenir les problèmes d'anémie, les problèmes cardiovasculaires et certains cancers. La cannelle a donc plusieurs bienfaits sur la santé. La cannelle est souvent sollicitée.
et elle est sollicitée dans les troubles digestifs. Dans ce cas, elle s'oppose à la fermentation et facilite la digestion. Elle est sollicitée aussi pour les problèmes digestifs, les problèmes de peau, dans le cas des champignons et des acnés. Dans le cas d'affection grippale, c'est-à-dire dans ce cas, elle renforce l'immunité et libère la voie respiratoire. Elle est utilisée contre le surpoids aussi, c'est-à-dire aide l'organisme à brûler les graisses. Également bénéfique pour les personnes diabétiques du type 2, puisqu'elle réduit le taux de sucre dans le sang, la cannelle est très simple à utiliser. La cannelle peut être utilisée juste après un repas. Faites une infusion de cannelle avec une eau chaude, mettez des gingembre hachés, plus une cuillerée de citron. Et là, ça aide l'organisme à digérer le repas. Il existe peu de contre-indications concernant le cannelle. Néanmoins, nous pouvons signaler les irritations buccales dans le cas où la cannelle est mangée en excès. Et pour cela, pour éviter d'autres ennuis et pour éviter d'autres complications, nous exhortons la population à prendre rendez-vous ou bien prendre contact avec les avisés pour avoir plus de conseils. Pour profiter de toutes les propriétés de la cannelle, il est recommandé d'en prendre une tasse tous les matins au réveil en y ajoutant une cuillerée de miel et répéter cela 2 ou 3 fois par jour. Et en interactualité, le gouvernement malien a ordonné l'expulsion de Olivier Salgado, porte-parole de la mission de l'ONU. Selon les allégations tenues contre lui, il aurait rapporté des informations inacceptables sur l'affaire concernant les 49 militaires ivoiriens arrêtés depuis plus d'une semaine au Mali. Alors que les relations entre le Mali et ses partenaires internationaux sont déjà tendues, cette nouvelle décision vient exacerber les crispations. Vous expliquez un peu. Olivier Delgado, porte-parole de la MINUSMA, la mission de paix de l'ONU au Mali, est invité à quitter le pays dans les 72 heures. Le communiqué du ministère malien des Affaires étrangères est sans appel. Bamako lui reproche d'avoir posté sur le réseau social Twitter des informations jugées inacceptables à propos de l'arrestation il y a quelques jours de 49 soldats ivoiriens au Mali. Des soldats qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes, mais la Côte d'Ivoire assure qu'ils étaient sur le sol malien car ils devaient prendre la relève d'autres casques bleus de la MINUSMA. Selon le tweet du porte-parole de la MINUSMA, le Mali était au courant de cette relève, ce que Bamako a démenti. L'expulsion du porte-parole de la MINUSMA vient s'ajouter à d'autres accros diplomatiques entre le Mali et l'ONU, qui compte plus de 12 000 soldats dans le pays depuis 2013. Cette expulsion intervient dans un contexte de bras de fer diplomatique qui dure depuis plusieurs mois entre Bamako et certains de ses partenaires. La France, d'abord, que le Mali a poussé vers la sortie début 2022 après 9 ans de présence militaire dans le pays. Il y a aussi eu des tensions avec la CEDEAO qui a finalement levé les sanctions économiques contre le Mali. Le mystère reste entier sur la mort de 21 jeunes fin juin dans un bar informel d'East London, en Afrique du Sud, après la publication des premières analyses toxicologiques qui n'apportent aucune conclusion, ont annoncé mardi 19 juillet les autorités sud-africaines. Ils étaient 21, des adolescents pour la plupart, âgés de 14 à 20 ans. Depuis leur mort le mois dernier dans un bar sud-africain, l'enquête piétine et le mystère reste entier. Les premières analyses toxicologiques ont été publiées, mais elles n'apportent aucune conclusion selon les autorités. En ce qui concerne le taux d'alcoolémie, il varie entre 0,50 et 2,60 g par litre de sang, ce qui en soi ne constitue pas une preuve de toxicité mortelle. Donc à ce stade, nous pouvons dire que cela pourrait ne pas être la cause finale de leur mort. Le laboratoire a également découvert du méthanol dans le sang de toutes les victimes. La dernière partie est celle du méthanol, qui a été détecté dans les corps des 21 individus qui étaient présents. Cependant, des analyses complémentaires sont nécessaires pour en déterminer la quantité. Donc pour l'instant, nous avons juste les résultats qui disent que les 21 personnes avaient du méthanol dans le sang.
Des survivants avaient évoqué une odeur étouffante et des témoignages avaient suggéré une intoxication ou un empoisonnement. Le propriétaire de ce bar clandestin doit comparaître devant un tribunal pour vente d'alcool à des mineurs. Le chef de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, est arrivé lundi 18 juillet au Maroc pour des entretiens avec de hauts responsables militaires dans le cadre de la coopération grandissante entre les deux États selon des sources militaires. Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'état-major d'Israël dans le royaume chérifien. Israël et le Maroc ont consolidé leur alliance militaire lors d'entretiens mardi à Rabat entre le chef de l'armée israélienne Aviv Kochavi et de hauts responsables marocains dans le cadre d'une coopération grandissante entre les deux États. Le général Kochavi a été reçu par Abdelatif Loudihi, ministre délégué chargé de la Défense, pour la première visite officielle d'un chef d'état-major d'Israël dans le royaume. La visite avait pour objet le développement d'axes de coopération dans les domaines de la formation, du transfert de technologie, ainsi que le partage d'expériences et d'expertises, a indiqué l'état-major marocain dans un communiqué. Une centaine de personnes se sont réunies devant le Parlement à Rabat pour dénoncer cette visite. Les manifestants ont brandi des banderoles à l'effigie de Shirin Abu Akleh, journaliste palestinienne tuée en mai dernier en Cisjordanie. Malgré la réprobation d'une partie de l'opinion, le rapprochement entre les deux États se poursuit depuis la normalisation de leurs relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre Israël et plusieurs pays arabes soutenu par Washington. Fin juin, des observateurs israéliens ont participé pour la première fois à l'exercice militaire African Lion 2022, le plus large sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les États-Unis. En dehors du cadre africain, la Commission européenne a présenté ce mercredi matin son plan d'urgence pour faire face à une coupure prochaine du gaz russe. L'objectif est que les réserves des États membres soient remplies avant l'hiver prochain. La Commission européenne propose de réduire de 15% la consommation de gaz pour pallier une coupure éventuelle des livraisons de Gazprom. L'Union européenne doit se préparer au pire des scénarios, une rupture des approvisionnements en gaz cet hiver. Face à la menace d'une suspension des livraisons russes, la Commission européenne a présenté mercredi un plan d'urgence avec des objectifs d'économie d'énergie. La Russie fait du chantage. La Russie utilise l'énergie comme une arme. Et donc, dans tous les cas, que ce soit une coupure partielle, majeure ou totale du gaz russe, l'Europe doit être prête. La première phase de l'effort est d'abord volontaire. Les États membres doivent travailler sur une réduction de 15% de la consommation énergétique à partir du 1er août et pour une période de 8 mois. Si la Russie devait fermer complètement le robinet, la Commission pourra alors déclarer une alerte pour l'Union. Autrement dit, les objectifs d'économie deviendront obligatoires. Dans un premier temps, les bâtiments publics et les citoyens sont appelés à faire un effort à travers une diminution du chauffage et de l'air conditionné. Avons-nous besoin d'éclairer des bâtiments de bureaux vides et des magasins toute la nuit? Avons-nous besoin de fixer l'air conditionné à 20 degrés? Bien sûr, cela réduira notre confort, mais cela devrait aussi réduire notre consommation. Mais pour les industries particulièrement énergivores comme la chimie ou la métallurgie, la situation pourrait devenir très difficile avec l'éventualité d'une diminution de la production. Cet effort sera coordonné et des fonds devraient être débloqués pour compenser les pertes des entreprises ainsi touchées. Tout d'abord, nous devons identifier les entreprises qui peuvent être arrêtées et à partir de là, voir quelle quantité d'énergie économiser. Il se pourrait que des entreprises, actuellement à cause des prix élevés, estiment que cela ne vaut pas le coup de produire et disent « maintenant que l'on a cette aide, nous allons nous arrêter ». À partir de là, il restera des restes d'énergie qui pourront être utilisés par d'autres industries qui en ont vraiment besoin. Mais je pense que chacun doit faire sa part d'effort. Nous ne pouvons pas faire preuve de solidarité entre les États membres et voir ensuite certaines industries au sein des États membres se battre entre elles pour cette énergie. La solidarité est l'élément clé de ce plan d'urgence car certaines capitales sont plus vulnérables que d'autres.
Quel que soit le scénario, la situation économique risque de se dégrader plus encore. La Commission estime qu'en cas de rupture des livraisons de gaz russe, la croissance diminuera de 1,5%. Le président par intérim du Sri Lanka est élu ce mercredi 20 juillet 2022 président avec le soutien du clan de l'ex-chef d'État Gotabaya qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays en faillite, qui a été 6 fois premier ministre, a été désigné chef de l'État à une écrasante majorité par les députés avec 134 voix contre 82 à son principal adversaire du LAS, c'est seulement 3 pour le candidat de gauche Anura. Ranil Wickremesinghe a été élu mercredi président du Sri Lanka pour succéder à Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays en faillite. Premier ministre contesté par le peuple qui demandait également sa démission, Wickremesinghe occupait depuis quelques jours le poste de président par intérim. Il a largement devancé son principal adversaire Dulas Alaperuma avec 134 voix contre 82. Mais pas sûr que cette écrasante victoire obtenue lors du vote au Parlement calme la colère des manifestants qui espéraient un changement radical pour sortir de la grave crise économique dans laquelle le pays est englué. Les États-Unis accusent la Russie de travailler à l'annexion des territoires ukrainiens par la force. Le point sur la situation en Ukraine de mercredi 20 juillet 2022. La résistance ukrainienne en réponse à l'attaque russe. La guerre sur le terrain se poursuit avec peu de gains territoriaux pour les forces d'invasion. Mais dans les parties du Donbass déjà prises par la Russie, les États-Unis craignent que Moscou n'ait l'intention de renforcer son contrôle par l'annexion. Selon eux, les zones visées seraient Kherson, Zaporijia ainsi que toute la région de Donetsk et Lugansk, où la Russie semble organiser des référendums fictifs au mois de septembre. L'annexion par la force serait une violation de la Charte des Nations Unies et nous ne permettrons pas qu'elle soit incontestée ou impunie. Nous continuerons à fournir à l'Ukraine de l'assistance en matière de sécurité. Dans le courant de la semaine, le gouvernement annoncera de nouvelles livraisons d'armes et d'équipements à l'Ukraine. Il s'agira de la 16e livraison de ce type pour soutenir Kiev depuis que le président a pris ses fonctions. L'armement américain est d'une grande aide pour les forces ukrainiennes. Des armes qui, selon le ministre russe de la Défense, seraient présentes sur le marché noir ainsi qu'au Proche-Orient. Des informations rejetées par le président ukrainien qui y voit de la propagande du Kremlin. Nos partenaires sont pleinement informés de la manière dont nous utilisons les armes qui nous ont été fournies. Mais afin de lever les doutes sur cette manipulation des propagandistes russes et de ceux qui les aident en Ukraine ou ailleurs, un instrument de contrôle parlementaire sera mis en place. Alors que la guerre s'intensifie avec des bombardements de part et d'autre du pays, la seule certitude est que les civils paient un lourd tribut dans les villages et villes situés le long de la ligne de front. Pour l'heure, il n'existe aucun bilan global sur le nombre de morts en près de 6 mois de conflit. Ainsi se referme cette messe informative. Merci de votre aimable attention et surtout, retrouvez-nous désormais sur tous nos canaux digitaux Facebook et YouTube. Bonne suite de programme à vous sur Speedline TV.